se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Shiny 7ème génération. Un petit larvibule Tushiné est venu me rendre visite. Je suis trop content de l'avoir trouvé, même si c'est pas du tout une des cibles. À la base, la cible, c'est Pichu. Mais Nick, en fait, parce que c'est un Shiny 7G et yes. Je l'avais fait en SOS et je l'avais fait évoluer en Lucanon il y a de ça 2-3 ans maintenant, quand Soleil et Lune est sorti. Et je l'avais fait évoluer en Lucanon donc, mais je m'étais toujours dit que je voulais absolument refaire au moins une. Enfin, deux chasses pour Chrysapile et Larvibule, donc, que je viens de capturer. Et voilà. Je suis trop content. 5978 rencontres. Je trouve super beau, j'adore l'Arvibule Shiny, Chrysapile encore plus, et encore plus Lucanon Shiny, c'est... Je pense que de la 7G, ça doit être une de mes familles préférées, avec celle de... Enfin... Picasso, pas trop, mais autant son évolution et Bazookan, j'aime vraiment beaucoup. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'avec Pokémon Épée, j'ai l'impression qu'on va découvrir, ou peut-être redécouvrir, des Shiny 7G qu'on ne connaissait pas vraiment, ou dont on ne se doutait pas... de leur beauté. Hop. On va faire ça déjà. Hein. Voilà. Hop. Oui, donc je visais Pichu pour essayer de compléter mon pré-Pokémon de ma liste de la BLSHC. C'est la compète que Niralia organise sur son Discord. Et une de mes cibles est Pichu sur la route 1. Mais j'ai eu Larvibule, donc tant pis, il y aura une phase 2 et il y aura peut-être une phase 3, une phase 4, en tout cas, ça sera sur cette route jusque dimanche. Yes! Parfait! Pas de cheat! Hop! Voilà, pas de cheat! Et la cloque pour conclure la vidéo. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Charme Chroma, Fourtou. Ouais, non, c'est bon, il est pas de cheat. Allez, ben, salut YouTube et à la prochaine.